My bad start was not a strategy. In fact, I did a bad start because in the two first corners I was not in the good position, and after it was hard for me because I was in the traffic jam during the first lap with Armida, and after in the second lap I pushed hard to keep the front, and Nav was really strong in the beginning of the race, but after he did an explosion. So I took the lead, and after I did a really good race with good lines, not a lot of mistakes in the climb and in the downhill. It was really, really slippery today, and it was really technical. J'ai pris un mauvais départ durant le premier tour. J'étais vraiment dans le trafic aux alentours de la 15e position, et j'ai eu un peu du mal à me mettre en route. Ensuite, dans le second tour, j'ai réussi à me repositionner et à me rapprocher de la tête. Nav paraissait à ce moment-là assez intouchable, mais il a explosé. Donc j'ai réussi à prendre la tête avec Armida juste derrière moi. Et j'ai fait vraiment une course assez parfaite ensuite, avec très peu de fautes sur ce parcours ultra technique, ultra glissant, où c'était pas évident de monter en vélo, mais également il fallait être très très fin dans le pilotage en descente pour pas faire de fautes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment mis à profit mon niveau technique, et je me suis fait énormément plaisir sur ce circuit.